Nigeria. Bienvenue. Bon, regardez, on va vous faire le tour de notre appartement au Nigeria. On va le faire rapidement, j'espère pouvoir le faire en dessous de 10 minutes, vite fait. Là, on a la cuisine. Merci, monsieur. Je vais prendre le dessus. On a la cuisine, on va faire le tour, vous montrer notre 3 chambres au Nigeria. On va faire le tour, joli petit appartement. Vraiment cosy, vraiment comfy, très confortable ici. Donc, on va commencer doucement avec la cuisine. Donc là, on a la cuisine. On a un nice kitchen island. Vous allez m'excuser l'anglicisme. Kitchen island. Climatiseur, juste au cas où on prépare et tout. Ça chauffe. Ça, c'est des choses à emporter. On n'a pas eu le temps de préparer du tout, du tout, du tout. On a des espaces de rangement. Et sur le kitchen island, ce que j'aime beaucoup, c'est les espaces supplémentaires de rangement ici. Tout autour, hein. Comme ça. Tout autour, bien sûr, on a un frigidaire, on a un micro-ondes. Et de ce côté-ci, on a le, on appelle ça en anglais laundry room. On peut faire le laver les habits, repasser les habits. C'est vraiment super, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la cuisine. On va du côté du salon. Alors, quand on sort de la cuisine, donc voici la cuisine, hein. Comme ça, quand on sort de la cuisine, on vient dans notre joli petit salon familial. Donc, on a déjà la petite table à manger ici, avec des chaises, un meuble sympa, cool. Vraiment simple, hein. Pas de mot de tête. Et le salon, voilà. Je trouve ça quand même un peu sombre, hein, mais je pense que c'est vraiment le style africain. Alors que moi, j'adore les... la lumière de jour et tout. Le matin, souvent en pleine journée, on ouvre. Hein. On ouvre là pour faire plein de lumière. Et voici notre entrée. Donc, normalement, on rentre là. Et voici. Donc, on a notre ce gentil, cute hall. Un hall ne peut pas être gentil, Stéphanie, reprends tes mots. Ce nice hall. On a une statue ici en robe blanche, tachetée de rouge. Non, de noir. De noir. Et plusieurs canapés, voilà. Et la télévision qu'on ne regarde jamais. Donc là, on a 3 chambres. On a 3 chambres. Première chambre, c'est celle-là. Chambre qu'on n'utilise pas, bien sûr, parce que c'est juste Ingrid et moi. Ici, on a la salle. Vous vous rappelez la salle, je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est la salle pour laver les habits et pour le repassage. Si vous passez à travers là, vous retombez à la cuisine de l'autre côté. Celle-là, on la garde fermée en tout temps. Parce qu'on a accès direct aux chambres. Et voilà. Et quand on se rapproche, on a ma chambre, celle d'Ingrid. On va commencer par celle d'Ingrid. Ingrid, t'as pas rangé ta chambre, hein? La chambre d'Ingrid. Elle est toujours rangée, ma chambre. C'est ça que tu appelles rangée? Ça, c'est pas rangé. Regarde, ton calepin et tes trucs... Donc, ah oui, c'est le design, c'est posé comme ça exprès. Quel design? C'est fait exprès. Mais c'est Listen to somebody, like, seriously. C'est fait exprès, mais ouais, c'est ça, quoi. Donc, c'est sa chambre ici. Et s'il vous plaît, madame a pris le master bedroom. Hein. Elle prend, c'est-à-dire qu'elle vient prendre le master bedroom. Merci, merci. Et voici nos placards. Vraiment, beaucoup d'espace de rangement, là, c'est superbe. Et la douche, j'espère que tu n'as pas laissé plein de bonnes choses à voir dans la douche. Où est le truc pour allumer? Voilà. Alors, voilà. Bon, je n'ai pas montré des trucs embarrassants là, tu vois. On continue chez moi. Pour une fois, c'est pour une fois. Comment tu peux dire pour une fois? How can you say that? Et ça, c'est ma chambre à moi. Ma chambre à moi où je travaille comme une dingue. Hier, je me suis couchée à Hante de Bois, quoi. 7h30. 7h30. Comment? La chambre aussi. La chambre aussi, soudainement, j'ai pas quoi. C'est pas vrai. C'est que je ne suis pas une crazy de l'ordre, mais en fait, je suis le genre de personne. Vous allez voir que quand je mets mes affaires, il y a toujours. Vous allez voir peut-être ça. Et, je sais pas. J'ai une manière de ranger les choses précise, perpendiculaire. Donc si quelqu'un vient ici, dis la vérité à tes abonnés. Dis la vérité à tes abonnés. C'est quoi la vérité? Dis alors. La chambre aussi n'était pas comme ça il y a 5 minutes. Dis la vérité. Désordonnée. Non, tu n'es pas désordonnée. Alors... Mais tu n'es pas comme ça là. Ne m'entends pas.
Je suis comme ça, les gars. Je suis comme ça. Non, à vrai dire, c'est parce que le lit est un des autres. Le lit est un des autres parce que souvent, je vais me coucher autour de 4h, je suis debout autour de 6h30. Vous voyez, donc quand je me lève, souvent, c'est dur. Et je travaille toujours mes trucs à côté. Et mon lactate. Bon, écoutez. This is it. Ma petite m'a trahi. Vous voyez, je mets, malgré la trahison, je mets l'information. Toi, je ne veux pas. Je ne veux pas paraître que je ne veux pas paraître parfaite. Je mets l'information là. Hein? Je ne suis pas parfaite. Bon, voilà, on va finir le tout vite fait. Donc la chambre est quand même très sympa. Alors là, vraiment sympa. Notre AC fait chaud à Lego, ça. Donc ça, c'est un plus. Moi, la télé, on ne l'allume jamais. J'aimerais bien mettre YouTube dessus. Hein. Ingrid, ils n'ont pas. That's a smart TV. Je vois Samsung. It's a smart TV. Donc, ils devraient avoir YouTube. Ouais. Ah, ce serait cool hein, de voir des vidéos de personnes, des vidéos très intéressantes ouais, dessus ouais. Qui m'édifient et qui me. Le matin, quand tu me te réveilles avec tes vidéos là, c'est cool ça. Tu te réveilles avec tes vidéos en grand là, tu vois. Mes les vidéos. Non, les vidéos que tu aimes bien regarder, les vidéos intéressantes quoi, de développement personnel. Développement personnel, hein. Ouais, c'est une idée. Il y a des trucs à côté là, je sais pas. Tu peux brancher là. Oh, ouais, peut-être ce soir, mais franchement, déjà il faut qu'on rentre tôt, ce qu'on ne fait jamais. Et après, en même temps, je dois travailler sur. Il y a Amazon, Amazon me bouffe tout le temps. Il y a Amazon, il y a les élèves, il y a les business à suivre, il y a les gens, je dois faire des retours. Il y a des gens qui m'ont écrit personnellement, ça fait une, deux semaines apparemment, j'ai pas fait de retour, les gars. Je vous dis que ma vie est. Pardon, ayez pitié de moi, vraiment. C'est soit je me sauve moi-même, soit on coule nous tous, quoi. Et si je me sauve. Je peux aider le plus grand nombre de personnes. Et voilà la douche. Voilà. Voilà la douche. Madame, viens voir ma douche. Il n'y a pas de maquillage. Autant de maquillage qu'il y a chez toi. Hein. Regarde. Chez moi, il n'y a que des rouges à lèvres. Et parce que j'aime rouges. Les mettre de rouge à lèvres. À part le rouge à lèvres, il n'y a rien chez moi. Regarde ma maigre douche. Je n'ai pas vu sa douche tout à l'heure. J'ai eu pitié de toi. Je n'ai pas montré parce que j'ai eu pitié de toi. On parle de maquillage. J'ai eu pitié de toi. On parle de maquillage. Ingrid, je me maquille souvent comme ça. Viens, on dit nos vérités ici, là. Viens. Non, non, non. Pourquoi viens. Tu caches la partie avec ton maquillage? Viens d'abord. Viens. Pourquoi tu caches? Ça, c'est pour qui? Non, ça, c'est pour toi. C'est pour moi. Je ne mets que le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est ce que je mets habituellement. Maintenant,